Alfred, je me... La Batmobile ne peut pas se rendre toute seule ici. Alfred, je me dirige vers le parking de la Tour Wayne. J'espère que Lucius a trouvé un moyen de localiser la plante d'Ivy. Vous avez toujours pu compter sur Monsieur Fox. Ouvrez l'entrée du parking. Je pensais que vous étiez déjà là, Monsieur Wayne. Ce doit être un bug du système. Je règle ça immédiatement. Monsieur Wayne, le périmètre est compromis. Nous avons des invités surprises. Pas pour eux. Tour Wayne ! Tire direct sur le rattleur. Le blindage résiste. Diamondback, HS. En sonar à pénétration de sol, Monsieur Wayne. Envoyez simplement une onde, et l'ordinateur de bord générera une image de ce qui se trouve en dessous de vous. Eh oui, il est assez puissant pour détecter les racines antiques enfouies, en admettant qu'il en existe.
pas risquer une autre intrusion. Verrouillez le bâtiment et transférez la production à Alfred. C'est comme si c'était fait, Monsieur Wayne. Bonne chance pour le jardinage. Maître Bruce, je crains que ces drones ne soient qu'un simple avant-goût. Je détecte un important redéploiement de véhicules depuis Founders Island vers les quartiers nord et sud de la ville. Le chevalier d'Arkham resserre son écran. Je les attends, Alfred. Très bien, monsieur. Cible atteinte! Il a détruit l'unité de drone de la tour Wayne. Ivy, j'ai trouvé un moyen de visualiser les racines sous Gotham. Suis les racines, elles te mèneront là où tu dois aller. Blindage, tiens! Twin Rattler, touché! Je peux la faire pousser, Batman, mais tu dois la réveiller. Le nouveau déploiement de drones sur Miami est détruit. Vous pouvez envoyer vos hommes. Bien joué, Batman. Elle n'est pas morte, juste abandonnée. Je peux la ramener. Tu l'as trouvée, mais elle est piégée. Et libérer les plantes d'Ivy. Tu l'as trouvée, mais elle est piégée. Continue de chercher. Elle se réveille d'après mon sommeil. Le signal s'affaiblit. Tu dois être trop loin. Je dois maintenir l'impulsion du sonar pour craquer la terre et libérer les plantes d'Ivy.
Ils attaquent ma plante. Protège-la. Vous arrêtez pas. Détruisez-la. Oui, chef. On établit un périmètre. Personne ne vient sur le toit. Je peux rendre son écorce dure comme de l'acier, mais j'ai besoin de temps. Je vais la protéger. Ah. Retiens-les. Essaye de casser le bras, Batman. Tiens-les à distance. Essaye encore. Il me faut plus de temps. Continue de te battre. Rappe-toi, Batman. Juste pour toi. Protège-la, Batman. Encore un petit moment. Tu fais moi le malin, hein, Batman. Encore un moment, Batman. Pour neutraliser la toxine de l'épouvantail. Espérons qu'on n'aura pas à le découvrir. Reste dans le jardin, Ivy. Je te préviens si la situation change. Alfred, dites-moi que vous avez trouvé le déluge. Je voudrais bien, monsieur. Mais je rencontre énormément d'interférences. C'est sans aucun doute un moyen de dissimuler leur déplacement. Faites une analyse complète des forces du chevalier. Bien, monsieur. Je ferai au plus vite. Vous enverrez les données sur le bat ordinateur dans les studios de cinéma. Bien, monsieur. En attendant, de nombreuses affaires nécessitent encore d'être résolues. Monsieur, un hélicoptère du GCPD signale avoir vu l'un des pompiers disparus retenu en otage dans le secteur de Grand Avenue. Je crains que nous n'ayons pas plus de précision. Bonne chance. La tronche que tu as faite quand tu l'as vu. Qui l'eût cru? Ce grand gaillard de Batman effrayé par son propre reflet. Suggérez de mener vos recherches dans le quartier de Dreischer, monsieur. Un certain air d'opéra y est diffusé en ce moment. Hélas, nous savons quel genre d'atrocité cela laisse présager. On n'a pas le droit d'aller le chasser. Si Batman nous attaque, on tire pour tuer. Mais l'épouvantail et le chevalier ne veulent pas le tuer trop vite. Alfred, on a une troisième victime sur la liste. La situation devient inquiétante, monsieur. Voilà qui rappelle une série de meurtres survenus au début de votre croisade. C'était Halloween, il me semble, et la nuit avait été plutôt longue. Je vais voir si je peux identifier le corps. Ah !
La blessure paraît relativement récente, infligée avant le décès de la victime. L'abrasion de l'épiderme confirme qu'un tatouage a été effacé de façon sommaire. L'emplacement de cette cicatrice indique que la victime a subi une opération pour se faire enlever un rein. Une plaque de tantale. Elle couvre une fracture crânienne. Celle-ci est probablement due à un accident de boxe. À en juger par les callosités sur ses mains, la victime devait être une combattante professionnelle. Alfred, la victime s'appelait Ella Montgomery. Il semble qu'elle ait donné ce rein à sa sœur jumelle, malheureusement décédée. C'est ce qui l'aurait amenée à pratiquer la boxe et à subir ce traumatisme crânien. Elle a été portée disparue à Huntsville, en Alabama. Ça fait 3 victimes, toutes enlevées à différents endroits du territoire. Continuez à chercher ce qui les relie, Alfred. Exact, monsieur. Les inscriptions autour des corps indiquent que le tueur a de grandes aspirations. C'est comme s'il n'était pas assez bien pour lui. Pensez-vous qu'il y ait d'autres victimes ? Oui. Et j'ignore quel sort il leur a réservé.